Jusqu'à présent, le Conseil général de la Somme, dans le cadre de sa politique d'insertion, soutient des jardins d'insertion qui sont avant tout des supports de resocialisation pour des bénéficiaires du revenu de solidarité active en grande difficulté. Demain, avec le grand projet Vallée de Somme, l'enjeu, eh bien, c'est d'ouvrir ces jardins, de les inscrire davantage dans la cité, très concrètement de pouvoir les ouvrir à des publics jeunes, de faire venir les écoles dans les jardins, mais aussi de les ouvrir à un public plus large. Dès le mois de septembre, on va mettre un projet en place avec la maison de retraite où on ira leur porter des fleurs coupées. Et on les aidera à confectionner des bouquets qui leur permettra de décorer leur salle commune. Maintenant, on demande de plus en plus aux gens d'être polyvalents. Donc bah, autant commencer même sur une action d'insertion en disant oui, ok, on fait du jardin, mais à côté du jardin, il y a autre chose. On a une tondeuse, il faut l'entretenir, on a des outils, il faut les réparer. Si on veut faire des nichoirs à oiseaux, et bah, on va les construire, etc. De faire en sorte que ces supports de resocialisation évoluent vers une activité économique un petit peu plus ancrée là aussi sur le territoire, hein, en travaillant peut-être des partenariats avec les AMAP, de sorte qu'une production maraîchère puisse aussi trouver quelques débouchés, hein, et donc là aussi donner des perspectives économiques à nos publics.